Il y avait deux idées. L'idée, la première, c'était de raconter le parcours de ce personnage-là qui sort de 1981, c'est-à-dire l'Immeuble du Pain, à Casablanca, et aussi d'évoquer ou de faire semblant de raconter le printemps arabe. Devoir de mémoire, je pense qu'implicitement, on est là-dedans. C'est-à-dire, le commentaire, en tout cas, ironique du film, c'est de dire, en fait, il ne faut jamais oublier que ce qu'on vit maintenant, on l'a vécu avant, ça a pris une autre forme, ça s'est transformé dans autre chose, et que finalement, on est dans quelque chose de cyclique qui se répète à chaque fois. جيت سنة 1950 أمي يجي يخشوني في خمسة وأمي يغبروني Je ne pense pas que le mouvement du 20 février va passer à la trappe pour une raison simple, c'est que ça a marqué, c'est-à-dire on a, il n'y a pas eu ce qui s'est passé en 81, c'est-à-dire on a mis une sorte de la chose dans une tombe et puis on a enterré tout le monde. Là, ça s'est exprimé, c'est une voix qu'on a entendue un peu partout dans le monde. Maintenant, l'État ne peut plus réagir contre ça. Il faut qu'il fasse avec. Il faut que maintenant le jeu est un peu plus équilibré, pas forcément, mais il y a en fait un rapport de force légèrement plus équilibré qu'avant où c'était des gens avec un pouvoir et d'autres avec rien du tout que leur faim et leur voix pour hurler. Ça ne m'intéresse pas de faire un film contre le pouvoir, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas productif. Ce qui est intéressant, c'est de donner à chacun l'occasion de se faire son opinion, son avis sur ce qui se passe et de brosser en fait le portrait d'une société en creux. Ce n'est pas réaliste, c'est vraiment une sorte de radiographie du Maroc, comme moi je le sens, vraiment, littéralement, parce qu'on a filmé dans les endroits, on s'est arrangé pour avoir travaillé le son, de rajouter des bruitages, etc., pour créer un univers cohérent par rapport aux propos du film. C'est le côté à la fois lucide et un peu détaché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très déçus par comment le printemps arabe a dégénéré en autre chose, et je pense que c'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste parce qu'ils attendaient beaucoup trop de choses d'un mouvement qui a été quand même démarré par quelqu'un à qui on a arraché les moyens de survie et qui s'est immolé et qui a littéralement embrasé presque tout le monde. Il a embrasé la région et le monde, et c'est un acte très très fort, mais qui part de l'idée que c'est une personne qui peut changer, qui peut dire non et changer le destin, son destin, et probablement donner l'exemple aux autres. Donc c'est pas un programme politique en soi. Renverser un régime, c'est pas un programme politique. C'est là où après ça devient beaucoup plus compliqué.